Street culture. Street culture. Je fais donc un personnage à rayures mi-homme, mi-animal. Il m'est apparu d'un seul trait, en fait, quand j'étais au Portugal, où je travaillais donc dans un centre qui accueillait des personnes porteurs du trouble autistique. Et c'est là où j'avais envie d'avoir ce personnage avec une force animale, mais que je pouvais articuler dans un corps d'humain. Et donc au début, je traitais surtout des sujets sociaux. Puis petit à petit, après, j'ai élargi, j'ai commencé à jouer avec les mots un peu différemment, à faire des textes à double, triple lecture. Mon travail, il se décortique en trois axes. Il y a donc le travail de commande, donc pour les privés, publics, entreprises. Après, j'ai aussi un travail d'atelier, donc où je peins des tableaux. Et la troisième part de mon travail, ça va être le travail de rue. J'ai commencé par donc le graffiti et le tag. Puis au bout de quelques années, j'ai arrêté. Puis quand j'ai repris, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus illustratif, m'inspirer un petit peu plus de la BD. Et puis surtout, pouvoir véhiculer les messages que j'avais envie de faire passer. J'ai donc trouvé ce personnage qui me permettait de véhiculer mes idées sans choquer non plus, parce que visuellement, c'est assez doux en fait. Il y a plein de couleurs. Donc à partir de là, ça me permet de pouvoir écrire aussi des phrases qui sont plutôt décalées, peut-être avec une triple lecture aussi, sans avoir de gros problèmes ou sans passer pour un tagueur qui écrit juste, par exemple, une phrase. J'ai un style qui est assez brut au final, brut et naïf. Et en général, j'y vais souvent à l'intuitif. Très souvent, même, je relis même pas la phrase que j'ai écrite sur le mur, ce qui explique aussi qu'il y a des fautes que j'aurais pu voir, si j'avais relu. Mais voilà, je préfère travailler dans l'instantané, avoir ce petit côté un peu aussi naïf du trait crachoté qui n'est pas parfait, quoi. De toute façon, je ne recherche pas la perfection dans mon travail. C'est surtout une émotion, un instant présent qui arrive, qui débarque sans prévenir et qui disparaîtra aussi sans prévenir. J'essaye de ne pas être si poétique et j'essaye de ne pas être trop engagé. En particulier poétique, mais c'est très dur parce que déjà d'écrire sur un mur, c'est déjà considéré comme un acte politique. En tout cas, j'essaie de ne pas être politisé, parce que je ne veux pas mettre les pieds là-dedans, c'est des choses qui me dépassent absolument, et puis c'est pas mon créneau, même si, bah, au final, bon, ça l'est d'une certaine manière, malgré moi. Street culture.